Bonjour à tous, Marc Julliet, coach professionnel en entreprise. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Coach Station. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre-Yves Compan. Pierre-Yves est psychologue du travail, coach professionnel et formateur. Il va nous faire part de sa vision quant à la santé au travail et vous allez voir que ce n'est pas du tout incompatible d'être bien en entreprise, d'être bien dans son poste et d'être performant. Voilà, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Comment ça va, Pierre-Yves? Ben, ça va bien. Et Bonjour toi? et bienvenue Bonjour. sur Coach Station. Merci. Merci, merci à toi. Merci pour Avec l'invitation. plaisir. Bon, Pierre-Yves, alors toi, tu viens du milieu bancaire. Tu me disais en off que tu étais surtout sur la partie relation client. Tu me diras un petit peu ce qui t'a amené au coaching. Tu as travaillé combien de temps dans le milieu bancaire? Oh, ben, j'ai fait quasiment moi, toute ma carrière. Effectivement, ouais, je travaille dans le réseau, hein, parce qu'en général, dans le milieu bancaire, on distingue le réseau, c'est-à-dire les gens qui sont dans les agences, et puis on va dire les services opérationnels et les services du siège. Donc, j'ai fait toute ma carrière dans le réseau. On en parlera probablement tout à l'heure, mais je fais un peu le lien avec le métier de coach. Ce qui m'a surtout intéressé, moi, c'était les relations avec les clients. Ouais. Donc, il y avait déjà cette base commune avec le coaching professionnel. Ouais, parce que des fois on faisait, enfin j'ai fait des, il y a des, comment dire, des clients avec qui j'ai, bon c'est pas devenu des amis, mais des clients avec qui j'ai sympathisé. Ouais, j'ai rencontré des belles personnes, avec des gens qui avaient des parcours un peu, qui sortaient un peu du Pratique. commun. Ouais, tout à fait, des parcours atypiques, donc des. Ce qui m'intéressait, ouais, c'est tomber sur des personnalités, quoi, quels que soient les métiers, mais c'était plus l'individu qui. Des gens qui avaient, ouais, des parcours surprenants, quand même. Et à ce moment-là, comment tu les accompagnais, du coup? Je faisais le boulot de banquier, quoi. D'accord. C'est-à-dire, tu leur conseillais des produits de placement, tu leur... Ouais, non, bah, enfin, moi, comment dire, c'était beaucoup avec les professionnels, donc c'était le plus souvent, c'était chef d'entreprise. D'accord. Et c'est marrant, mais parce qu'il y avait aussi cette question d'écoute, là, de bien comprendre les, de bien. Enfin, tu vois, en en parlant, là, je retrouve des points communs, quoi. Il y avait la question de savoir écouter le client pour bien comprendre son projet et d'être capable de lui proposer les meilleures solutions. Donc, ouais, il arrivait parfois avec justement une demande et toi, tu arrivais à cerner plus les besoins, un peu C'est ce qu'on ça, ouais. dit en coaching, ouais. Et pour, enfin, pas souvent, mais de temps en temps, comment dire, organiser les choses un peu différemment, quoi. Et donc, ça... À un moment, qu'est-ce qui a fait ce lien avec le coaching? Qu'est-ce qui a fait que, du coup, t'as passé le, c'est-à-dire, t'as franchi le cap, pour la formation de coaching? Enfin, c'est pas quand j'étais dedans, quoi, quand j'étais dans le métier, mais c'est un peu avec le recul. Puis en en parlant là, peut-être en en parlant juste en ce moment, que ça me permet de trouver des passerelles, quoi. Ouais. Mais le coaching, moi, ce qui m'intéressait, mais c'est d'aller dans l'accompagnement. D'accord. On n'en a pas parlé, mais pendant que j'étais, comment dire, pendant que j'étais salarié dans la banque, j'ai fait des études pour devenir psychologue du travail. Ouais. Tu nous parles aussi de ta formation qui est en cours là sur le burn-out. Comme j'ai fait plusieurs formations, là, que j'ai enchaîné les unes à la suite des autres, parce que j'ai fait une formation pour être formateur, donc maintenant que je suis formateur, je suis en train de construire des formations. Et je vais rester sur mon champ de compétences, en fait, donc la psychologie du travail, et puis parce que je suis spécialisé en santé au travail. Donc il y a tous ces thèmes-là qui m'intéressent beaucoup, hein, on va dire, en général, de la qualité de vie au travail. Qu'est-ce qu'on peut remettre un peu, est-ce qu'on peut remettre un peu d'huile au sein des entreprises pour que ça.
Ça fonctionne mieux entre les individus et qui plus est, en plus que ça permette aux organisations d'être plus performantes. Parce que c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas du tout antagoniste. Ouais. Donc Donc c'est on ça peut qui être très m'intéresse. performant et très très heureux au travail, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, après, heureux, je sais pas, mais on peut. Épanoui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, ça c'est une bonne question. Se sentir mieux, quoi, voilà. Se sentir un peu plus aligné, être plus performant dans son job, quoi. Tu me disais que tu étais très proche de tes clients, qui étaient notamment des chefs d'entreprise. Est-ce que ça, c'est des sujets avec lesquels tu discutais avec eux, que vous partagiez cette notion de, justement, de bien-être au travail, notamment pour leurs propres salariés? A priori, non, c'était pas forcément des thèmes qu'on abordait, mais par contre, après, souvent, on sortait du simple cadre bancaire, quoi. C'est ça qui m'intéressait, en fait. C'est d'aller au-delà de discuter simplement de, enfin, je vais pas dire de gros mots, mais pour parler que d'argent, quoi. Donc, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir un peu, qui était l'être humain qui a été derrière le chef d'entreprise. C'est ça qui m'intéressait. Tu as encore des liens avec ces clients? Est-ce que ça t'arrive de... Bon, il y en a un ou deux avec pas de façon très fréquente, hein, parce que enfin, ce sont pas devenus des amis, mais il y en a un ou deux avec qui, ouais, j'ai gardé des contacts, ouais, avec qui on échange de temps en temps par SMS. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, du coup, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas devenir coach? Qu'est-ce qui fait qu'un matin, tu t'es lancé dans une formation, qui, je le rappelle, est quand même un travail introspectif, hein. Souvent, quand on fait une formation de coaching, ça va aller chercher des choses chez soi qui sont pas toujours confort. Je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi, en fait, depuis longtemps. Donc moi, c'est plutôt quelque chose qui a mûri. C'est pas, ouais, je me suis pas levé un jour en me disant. Ça s'est pas passé comme ça, un matin. Non. Non, après, ça peut concerner certaines personnes, mais ça s'est pas passé comme ça pour moi. Voilà. Je pense que c'est un truc qui a mûri, quoi, et ça, ouais, parce que, et ça comme, enfin, il y a eu le passage aussi de la psychologie du travail, là, donc ça, je pense que ça, il y avait ce fil conducteur là quelque part. Et ça, même quand tu travaillais dans la banque, tu as toujours senti que tu avais une sensibilité justement pour la qualité de vie au travail, pour la qualité des relations entre les personnes. Bon, oui, je pense que c'était quand même, il y avait cette question-là quelque part. Peut-être pas de ce point de vue-là, mais dans les échanges que j'avais avec les personnes, quoi. Parce que plusieurs fois, on m'a fait la remarque, bon, pas avec tout le monde, mais ouais, sur une façon de. Bon, je veux pas non plus employer de grands mots, quoi, mais sur une posture, hein, voilà, un peu différente, quoi. D'accord. Ben, donc il y avait déjà des bases qui étaient là, quoi. Je n'avais pas envie d'être dans le rôle du banquier traditionnel, quoi. Il y avait cette façon de faire un peu les choses un peu différemment, quoi. Et tu as senti que ça avait du sens, justement, le fait de le faire différemment, que ça portait ses fruits. Tu sentais que les rapports, du coup, avec ton équipe, Oui. avec tes clients, tout ça était différent. Ouais, parce que ça permettait d'avoir des relations, ouais, un peu différentes. Ce qui était un peu sympa, c'était que à certains moments, les gens faisaient la quand les gens en font leur remarque, donc c'est toujours, voilà, je trouvais ça intéressant, quoi. C'était des signaux déjà. C'est ça, ouais. Et du coup, alors, donc, la formation, tu l'as faite où ça, sur Ben, moi, je l'ai faite à Paris 8. à Paris 8, ouais. Alors pourquoi? Parce que j'avais une prof qui, quand je fais mon parcours de psychologue du travail, qui était déjà impliquée dans la, enfin, qui intervenait aussi dans le coaching et qui est devenue depuis la référente pédagogique, D'accord. qui s'appelle Christine Modo. Qu'on salue.
C'est ça, qu'on salue et que je remercie aussi. Et qui donc, mais c'est marrant parce que je l'ai appris, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'ai pu constater en faisant la formation que c'était une coach, voilà, aguerrie, avertie, avec beaucoup de, une posture qui m'intéresse beaucoup, quoi. Donc ça a fait écho chez toi, du coup ça t'a d'autant plus motivé pour te C'est lancer dans cette ça. formation. Ouais, donc j'ai pris contact avec elle et après, voilà, bon, ben, on a lancé on a mis la machine en route, là, du DFSSU, ce qui est 2S de Paris 8. Et là depuis donc t'es coach depuis combien de temps? Je souris, en fait, parce que ben, je suis un jeune coach, donc ça fait depuis, c'est décembre 2021, ouais, j'ai eu mon diplôme, et la dernière ligne droite. Ce qu'on appelle les baby coach ou les C'est coachs ça. en devenir là. C'est ça, ouais. Non, mais bébé coach, ça m'a bien. Bon, ben voilà. Alors du coup, toi, co comment t'accompagnes les personnes que tu coaches? Toi, tu es plutôt sur du coaching d'entreprise. Pour l'instant, je suis plutôt dans le coaching de vie. J'ai l'intention, effectivement, de passer. Ce qui m'intéresse, c'est. Là où je vais là où je vais aller aussi, c'est vers le coaching d'équipe. D'accord. En fait, que j'ai pas commencé, mais je suis en train de m'y intéresser. Ok. Et le coaching d'équipe, du coup, ça sera en entreprise, on est d'accord. C'est ça. Ouais, de coaching d'équipe en entreprise. Parce qu'il faut que je déjà, moi, je considère que le coaching d'équipe, il faut au moins être deux. On dit ça, mais il y a des gens qui font du coaching d'équipe, ils sont seuls. Donc. C'est pas ma façon de voir les choses, mais donc ça veut dire qu'il faut, voilà, il faut que je trouve des gens, parce que quand on est en duo et qu'on fait du coaching d'équipe, bon, il faut apprendre à bien se connaître, c'est une relation qui se construit, il y a la question de la confiance, etc. Donc c'est aussi quelque chose que je suis en train de construire, voilà. Alors le coaching d'équipe pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un accompagnement pas du coaching mais sur un objectif qui concerne un groupe de personnes en entreprise. C'est ça. Est-ce que tu peux nous citer par exemple un objectif qui peut donner lieu à un coaching d'équipe? Bon, ben, je pense qu'il y a notamment coaching d'équipe, à mon avis, il y a la question de la communication, hein, qui est un point qui peut être un point central. Hein, parce que ben, comme il y a la question de la systémie ou du systémique, ben, il y a les gens, mais il y a l'équipe. Donc, c'est-à-dire comment faire communiquer des gens de façon ben, un peu plus efficace entre eux, quoi. Après, il y a la question de la performance. Mais bon, ça, c'est peut-être un thème qui me botte un peu moins, quoi. Après, il y avait on avait Après, il y en a plein d'autres, mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, c'était juste pour un petit peu illustrer. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément le coaching d'équipe, mais c'est vrai que ça permet de la cohésion, ça permet effectivement, parfois, quand il y a des changements au sein d'une entreprise, ça permet de recréer un petit peu de la dynamique et puis d'être sûr que tout le monde, j'allais dire, va aller de l'avant par rapport à ce nouvel objectif, que personne sera mis sur le bas-côté. Il y a aussi une thématique qui nous est chère tous les deux, c'est notamment la marque employeur, c'est un peu aussi toutes les valeurs qui peuvent être construites de l'intérieur de l'entreprise vers l'extérieur. J'aimerais bien aussi que tu nous parles un petit peu d'un sujet qui t'est cher en ce moment, sur lequel tu travailles, notamment avec ta casquette de formateur sur le burn-out. C'est un sujet, toi, qui t'est cher. Tu veux nous partager ça? Bon, rapidement, parce que ça intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. A priori, c'est aussi un sujet qui est d'actualité. De temps en temps, je pense qu'on dit il y a enfin, des choses qui sont pas toujours très claires et il y a un peu des contre-vérités, quoi. Et donc là, je suis en train de terminer une formation qui va s'adresser au manager. En fait, la question, ce sera de savoir qu'est-ce que le manager va pouvoir faire
pour qu'ils puissent, peut-être un peu au-delà de le burn-out, c'est un peu un prétexte, hein, c'est la question de la qualité au travail, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire lui dans sa posture pour faire en sorte que les personnes avec qui il travaille soient un peu plus sereines, quoi. Sans forcément employer de grands mots comme forcément pour qu'ils soient plus heureux, quoi. Mais déjà qu'ils se sentent mieux dans leur basket et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme posture ou comme outil, voilà. Et C'est après, ça la question. donc avec des signaux aussi, c'est-à-dire à un moment qu'on sente s'il y a une personne qui, j'allais dire, qui donne des signes un petit peu avant-coureur. Oui, bah oui, parce qu'il y a forcément effectivement des, comment dire, on peut appeler ça des signaux faibles. La question du burn-out, en fait, c'est très souvent les gens qui sont dans ce processus-là sont souvent des gens qui sont plus engagés que la moyenne. Ça, c'est une constante. Ils n'ont pas le recul nécessaire ils ont un peu la tête dans le guidon, justement. Donc, il y a des signaux avant-coureurs dont eux ne sont pas forcément conscients. Donc, s'il y a D'accord. quelqu'un justement qui est un peu hors du jeu et qui voit certaines choses se passer, ça peut être très intéressant. Et D'accord. moi, ce qui m'intéresse, enfin, c'est d'être dans la prévention primaire. Ouais. C'est-à-dire, la prévention primaire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ne pas arriver à ce qu'une situation se produise. Ouais. Ce qui c'est vrai que l'approche est intéressante. Et tu me disais aussi que le prof de cette formation là, c'était de s'appuyer sur des, j'allais dire des retours un petit peu plus factuels, que les gens voient, que ça soit chiffré, et en même temps que tu me disais c'était important pour toi que les gens aient des, j'allais dire des curseurs, des mesures aussi, des retours qui sont fiables, c'est-à-dire que tu as été chercher des ressources pour alimenter cette formation. Et que c'était important pour toi de montrer que quand on s'appuie sur des éléments comme ça qui ont été éprouvés, ça donne de la crédibilité aussi au contenu et dans la démarche, quoi. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'il y a, enfin, moi, il y a deux points qui sont importants pour moi dans la mise en œuvre d'une formation. Bon, déjà, c'est de s'appuyer sur des, parce que moi, j'invente rien. Je mets un peu les choses un peu en perspective. J'essaye un peu de comprendre ce que disent les auteurs. Donc, c'est de m'appuyer sur des théoriciens qui sont, bon, sur des théories qui ont été maintes fois démontrées et prouvées. Je sais pas, on peut prendre un exemple, hein, quand on parle du sentiment d'efficacité personnelle, par exemple, quand on cite Bandura, bon bah voilà, c'est pour moi c'est un incontournable. Donc on peut pas, voilà, c'est comment dire, il avance des arguments qui peuvent être difficilement être mis en cause. Ouais, ça a du poids, quoi, tout de suite. C'est ça, soit même aller peut-être à poser une théorie qui est un peu plus puissante, hein, mais Ouais, bon. Ça, c'est une autre histoire. ouais. Donc voilà, oui, pour moi, c'est important parce que comment dire, d'être assis sur des fondements qui ont été démontrés maintes et maintes fois. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'utiliser des choses qui sont très simples, qui sont à la limite basiques, mais on se rend compte qu'au final, ben, plus personne ne le fait, quoi. Alors, on revient toujours à la même chose, hein, c'est que souvent c'est souvent les choses les plus simples qui restent les plus efficaces, quoi. C'est ça, ouais, comme le burn-out, on peut parler par exemple de la reconnaissance. Quand on dit comme ça paraît très simpliste et même un peu bêta, mais bon, il se trouve que là aussi, la reconnaissance, c'est quelque chose qui a été démontré maintes et maintes fois. Simplement de mettre en œuvre de la reconnaissance avec les gens avec qui on travaille, bah déjà, ça peut, ne serait-ce que ça peut déjà suffire, quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est. Ouais, dis-moi. Oh non, non, mais simplement, là, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce que les gens vont pouvoir utiliser, en fait, une fois qu'ils vont retourner dans leur job, quoi, c'est ça. Parce que si c'est pour parler de trucs un peu métaphysiques, etc., ou des concepts un peu nébuleux, bon, c'est probablement intéressant, mais c'est pas ma façon de faire. Ouais, Et comment tu fais le lien justement avec le coaching que tu proposes aujourd'hui? Est-ce que justement à un moment,
Ça peut arriver qu'une personne qui suit une formation pour X raisons, à un moment, elle ait aussi envie d'être coachée parce qu'elle sent que là, pour le coup, il y a un travail à faire, indépendamment de la formation qui peut être fait. Je pense notamment à des managers qui, à travers la formation, peuvent réaliser que bah, sur certains aspects, ça peut leur paraître évident, mais que ils peuvent réaliser qu'il y a effectivement entre ce qui pourrait être proposé et ce qu'ils sont aujourd'hui, il y a un delta qui n'est pas forcément facile et que le coaching peut répondre à cet écart. Est-ce que c'est quelque chose qui te... Oui, non, c'est une question intéressante. Bah après, il peut peut-être y avoir la question peut-être un peu des peurs, quoi. Si des gens, comment dire, pensent qu'ils vont pas être capables d'eux. Sur ces questions-là, à mon avis, le coaching, ça peut être très efficace. Puis après, bon, il y a aussi sur des façons de, peut-être un peu des façons de manager. D'accord. De différentes postures sur la question de l'agressivité, etc. Donc, voilà, s'il y a des gens, entre guillemets, qui se reconnaissent, qui trouvent qu'ils sont peut-être trop dans un modèle donné de comportement, bah, qui se sentent peut-être un peu trop agressifs, là, le coaching aussi, à mon avis, ça peut être intéressant. Alors, on peut le dire, il y a aussi une autre formation qui va suivre. Sur laquelle C'est ça. on va travailler qui est la posture de coach pour un manager. Ouais. Et je me permets de faire le lien parce que justement il y aura aussi de la matière par rapport à ça sur c'est quoi le lien entre le management et le coaching, comment tu parlais de communication non violente aussi ou des choses comme ça. Il y a quand même des outils qui peuvent être proposés aujourd'hui. Bien sûr. Et ça, c'est intéressant aussi parce que il y a un paradoxe, c'est qu'on demande beaucoup, je pense, alors pas seulement aux managers, mais j'allais dire parfois, ils sont un peu pris en étau. Ça, ouais, on pourrait dire même on pourrait dire même entre le marteau et l'enclume, quoi, C'est exactement, ça. ouais. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu comme ça, facile de le poser, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et puis peut-être que ce type de formation-là qu'on construit ensemble, il y a justement ce fameux sujet qui est de garder sa posture de manager et en même temps d'être justement plus dans l'empathie. On parlait du coaching d'équipe, bah, plus aussi d'avoir une approche en équipe qui peut être intéressante, où tout le monde a finalement trouve aussi sa place dans ce fameux système dont tu parlais. Et puis aussi une façon de redonner de la valeur et du sens dans son travail, mais aussi auprès de la direction qui parfois peut avoir un cahier des charges ou des exigences, non pas qui vont être contournées, mais qui vont être du coup abordées sous un autre angle en proposant peut-être d'autres façons de travailler et comme tu disais, qui sont pas du tout incompatibles avec le fait d'être productif, d'être performant. Mais du coup, de le faire avec du sens, avec des valeurs et une cohésion entre les personnes qui est, j'allais dire, gagnante pour tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr, oui, non, mais je pense que c'est une façon de faire effectivement que tout le monde soit gagnant, hein, aussi bien l'organisation que les individus. Et je pense que, enfin, je pense que c'est un peu dans l'air du temps là, parce que bon, on sent bien quand même qu'il se passe quelque chose. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va durer, quoi. Donc ça permet aux gens de changer aussi, et y compris les organisations. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. On est dans une phase un peu au niveau géopolitique et économique. On sent que il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et j'allais dire, le coaching aujourd'hui a toute sa raison d'être. Hein. Ça va être, c'est un des outils qui peut être réellement important, j'allais dire, qui a toute sa place avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit, comme tu disais, du coaching en entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise, on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'être aidés, d'être accompagnés pour être dans une transformation ou pour être sur un objectif qu'ils peuvent pas forcément atteindre seuls.
et toute la qualité justement des formations qui sont proposées aujourd'hui, notamment ceux qui sont certifiés, ça permet cet accompagnement avec une bienveillance, une confidentialité, j'allais dire une alliance dont on parlait aussi tout à l'heure, qui va permettre toute cette transformation. Parce que là, enfin, je sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'on est un peu arrivé au bout de certains systèmes, justement, et qu'aujourd'hui, je dis pas qu'il faut tout réinventer, mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles on a un peu été au bout, quoi. On sent bien que le consumérisme, notamment à outrance, là, ça fait son temps. Là, on voit que les gens, ils cherchent plus de sens à travers ce qu'ils vivent. Oui, non, mais après, de façon, oui, non, mais après, là, on est sur des questions un peu sociétales, mais je pense que ça va demander du temps, hein, parce que bon, on est quand même encore sur des modèles un peu individualistes, donc j'ai l'impression que les gens, à la fois, ils ont envie de changer, mais j'ai l'impression qu'ils changent pas aussi, quoi. Ils vont changer plus dans la contrainte que dans C'est ça. le choix, ou comme tu disais, d'être dans quelque chose qui est anticipé. Et là, tu as plus l'impression qu'ils vont ch changer, mais par la force des choses. Ben, j'ai un petit peu cette impression-là. Après, voilà, ça n'engage que moi. Mais ceci dit, ben, non, mais ça m'évoque deux choses. Mais, donc, les entreprises et les organisations sont dans la société. Hein. Elles sont pas en dehors. Donc, c'est aussi peut-être de faire en sorte que ça passe par elles, quoi. Peut-être qu'elles pourront aussi diffuser un nouveau message. Moi, je trouve l'idée très intéressante. Quand on parle du coaching, ben les gens qui, puisqu'on dit que coacher une personne, c'est faire en sorte qu'elle trouve ses propres solutions. Ben c'est peut-être une façon aussi de faire en sorte, si elles n'ont pas envie de changer ou si elles sont dans un, ou si elles ont envie de changer mais qu'elles n'y arrivent pas, qu'elles sont dans une histoire de blocage, ben c'est peut-être qu'en se faisant coacher, c'est peut-être un peu justement à les aider à, comment dire, à aller vers trouver une nouvelle voie, quoi. Ouais, c'est intéressant quand même, franchement. Alors du coup, tu me disais que t'avais des bouquins, t'avais des choses à nous proposer un petit peu? Ouais, enfin bon, j'en ai plein, mais moi, il y en a, je veux dire, il y a deux classiques, hein. Il y a un livre de Lennart qui s'appelle Médi Stratégie de Coaching. Vincent Lénard. Vincent, oui, pardon, Vincent Lennart, bah, lui, c'est un peu, il fait partie des maîtres, hein. Après, il y a un livre de François Delivré qui s'appelle je regarde, les métiers de coach, que j'aime bien parce qu'il est très, très synthétique. Et après, pour sortir un peu du coaching, il y a un livre qui s'appelle l'éloge du silence de Marc de Smet. On les mettra dans le descriptif. Alors, le dernier, pourquoi ce choix? Bah parce que moi, le silence, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Oui. parce que pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, les gens sont trop. Sur la question des gens qui ont envie de changer mais qui changent pas, voilà. Peut-être que quand on se met un peu en position de silence, qu'on ralentit un petit peu, ben ça permet de revenir un peu, de se recentrer sur soi. Peut-être de se poser des questions, là, peut-être sans avoir besoin d'un coach, mais de commencer à se poser des questions qu'on ne se pose pas d'habitude. Et puis ça évoque une deuxième chose, c'est j'aime bien le silence dans le coaching, là. Tu vois, je dis rien là. C'est ça. Oui, non, mais je dis rien non plus, mais je le note, oui. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais c'est vrai que dans le coaching, on insiste pour que, à certains moments, quand le coaché pose quelque chose, on le laisse juste après dans un silence qui va lui permettre de commencer à cheminer, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis. Là, je le vois notamment avec les enfants en ce moment, puisqu'on est en période de vacances, là. La nécessité de toujours avoir du bruit, téléphone. On est obligé toujours d'être derrière eux pour leur dire non, mais là, peut-être qu'une pause, ça serait bien. Et on voit à quel point ça peut être polluant, le fait d'avoir constamment
des choses sur écran ou autre, et carrément, ça laisse pas beaucoup de place à une certaine distance entre ce qu'on vit, et parfois on a besoin un peu de d'être au calme et de alors il y en a qui vont jusqu'à faire des retraites, des choses comme ça, mais sans aller jusque-là, on voit que le simple fait de temps en temps s'autoriser ne serait-ce qu'une demi-heure à aller se promener ou ne rien faire ou écouter juste j'allais dire la nature pour ceux qui ont la chance de pouvoir s'éclipser comme ça facilement mais j'allais dire même dans le métro il y a des moments où on peut être comme ça alors le métro c'est pas trop le silence mais on peut trouver des moments où on fait rien et finalement ça laisse de la place à plein de choses qui viennent comme ça et finalement si on fait pas ça on est constamment submergé par des informations qui sont plus ou moins d'ailleurs constructives pour nous j'aime beaucoup l'idée que tu nous partages ça là, sur la notion de silence. En fait, je pense que peut-être ça fait peur pour certains, je sais pas, mais se retrouver avec soi-même de temps en temps, c'est important, quoi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, hein, sur la question. Ben, je pense que quelque part, oui, il peut y avoir la question de la peur, hein, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais après, il y a aussi la question des enfants, là. Bon, on vit dans une société où on est sursollicité, hein. Donc, sans parler de ces histoires de smartphones, etc., où ils sont maintenant scotchés devant des écrans. Je crois qu'un enfant, il passe en moyenne 5 heures ou 6 heures par jour devant un écran, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Donc ça, quand on en, enfin, avec ce genre de chiffres, ça peut faire un peu peur, quoi. Donc effectivement, ben, je pense que le coaching, c'est un espace privilégié d'apprendre aux gens un petit peu ne serait-ce que déjà un petit peu à ralentir. Et à essayer d'être capable de retourner un peu vers eux, quoi. Je trouve que c'est une idée intéressante, quoi. Ouais, c'est chouette. Bon, bah, merci mille fois, en tout cas, Pierre-Yves, pour cet échange. Ben, je t'en prie. On mettra toutes tes coordonnées dans le descriptif. N'hésitez Avec pas, hein, plaisir. j'insiste à chaque fois, mais pour partager, pour liker, pour donner des commentaires, des retours sur nos échanges. C'est aussi grâce à ça que le projet Coach Station continue à grandir. Donc, merci à tous les fidèles pour leurs encouragements. Et puis, Pierre-Yves, on se dit à bientôt, nous, pour de Ouais, nouvelles ok, aventures. ouais, avec plaisir, bien sûr. Et Hein? puis, bah, je vous invite, oui, à vous abonner à la station, là, parce que c'est toujours des gens intéressants. Ouais, ça, c'est gentil. Merci, Pierre-Yves. À bientôt. À bientôt. Salut, Pierre-Yves. Salut. Bonne journée, salut.